Comment ça va aujourd'hui? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je suis grave en pige, mais c'est quand même dans le thème de Noël. Mais en vrai c'est pas du tout Noël, puisque c'est un peignoir. Ah non, c'est de l'autre côté. Puisque c'est un peignoir Gryffondor. That's my house. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va lire vos pires cadeaux. Le cadre est un peu différent d'habitude parce que mon appart est trop en bordel et j'ai pas le temps de le ranger avant de tourner cette vidéo. Et j'avais envie de vous offrir une Switch. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Ça fait des années certains que vous êtes là à me suivre. Noël, c'est dans... Attendez, je compte les cases de mon calendrier parce que là, c'est... Regardez, c'est mon agent qui m'a fait un calendrier de l'avant avec mes photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jours. Dans 15 jours! J'avais envie de lire vos pires cadeaux de Noël. En fait, de base, je pensais pas que je pourrais en faire une vidéo. Et je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram si vous aviez déjà reçu des cadeaux de merde, quoi. Alors, évidemment qu'un cadeau, à la base, c'est toujours un beau cadeau, normalement. Mais je vous avoue que quand j'ai lu les réponses, il y a des gens, quand même, qui ont eu des vrais bons cadeaux. Et puisqu'on parle de cadeaux, je vais commencer par en ouvrir un que j'ai reçu de la part de Merci Andy, qui est une marque française que vous connaissez sûrement pour leur gel. Mais sachez que ce n'est pas la seule chose qu'ils font. Bon, j'ai déjà commencé un petit peu à unboxer. J'avoue. Écoutez, j'avais ce colis chez moi depuis 3 semaines. Donc ils m'ont envoyé tout leur petit coffret de Noël qui se compose en 4 produits. Déjà, tu ouvres la boîte juste. Ça sent le câlin là, ça sent l'amour. On commence par ce cube licorne où à l'intérieur il y a 3 produits. Toujours avec un packaging un peu holographique, très 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 joli. C'est vraiment la signature de la collection de cette année chez Merci Andy. Et on l'unbox ensemble. À l'intérieur il y a, vous avez remarqué que vous pouvez les accrocher au sapin. À l'intérieur il y a un gel douche slime. Je vais essayer de vous décrire les odeurs, même si... Oh là là. Déjà ça sent le propre, mais c'est pas une odeur entêtante. Un peu sucrée, mais pas trop non plus. Et t'es mal à la texture. T'as vu ces petites paillettes là? Donc c'est un gel douche mais en format slime. Donc c'est à dire que quand tu l'appliques sur ta peau, ça fait comme du slime quoi. Est-ce que je mime bien le slime? On a évidemment leur signature. Un gel. Il faut savoir qu'il y a de l'aloe vera dans ceux de chez Merci Andy qui sont très très cool. C'est le Unicorn Edition et il y a des petites paillettes à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater. Et enfin, un petit chouchou trop mimes. Très très mimi ça. J'aime trop ce genre d'élastique. Ensuite, nous avons le kit joyau magique avec à l'intérieur 3 petits gels. Et en fait, c'est des pierres. On a ici du quartz rose, enfin le rose quartz, juste ici. Ça sent bon, ça sent un peu les baies. Bon, ça m'arrive pas souvent de sentir des baies, mais franchement, croyez-moi sur parole, ça sent très très... On a tellement passé de temps à mettre du gel hydroalcoolique que c'est devenu pas un plaisir. Alors qu'avec Merci Andy, c'en est toujours un. Ici, on a la Golden Prism, l'amande douce. De ouf. C'est mon préf en fait. C'est lui mon préf en fait. Et on a enfin le quartz, le blue quartz qui sent... Ça sent les fleurs, c'est très fleuri. Ça sent très très bon. Ensuite nous avons ce petit gel là là qui est en édition limitée. Donc c'est à dire que celui-ci il est que dispo sous cette forme. Celui-ci c'est le Magic Diamond. Toujours avec des petites perles à l'intérieur. Et il sent bah super bon hein. Et enfin pour terminer dans cette collection de Noël il y a 3 bath bombs. Et encore une fois on est sur les mêmes noms que tout à l'heure. Donc c'est à dire qu'il y a la Blue Stone, la Rose Quartz et le Golden Prism. Et je vous les montre. Du coup voilà pour les boules. Est-ce que je sais jongler? Pas du tout. Mais j'ai tenté des choses. Et c'est ça la vraie vie, faut tenter des choses. Donc vous avez moins 20% sur l'ensemble de la collection de Noël avec le code Cindy20. Tout est en barre d'infos. On remercie Merci Andy. Dans ces produits là il y a de l'huile d'avocat et tout. Enfin bref, et c'est en description. Et on se lance tout de suite dans la lecture de vos cadeaux nuls. Ça c'est pour vous. Voilà, je vous l'offre sur Instagram ce soir, enfin en même temps que la vidéo est postée. En fait j'ai posé cette question en mode, bon il va y avoir je sais pas beaucoup de réponses, mais en fait il y a énormément de réponses. Vous avez vraiment reçu, vous êtes quand même assez nombreux à avoir reçu des cadeaux de merde. J'ai reçu un mini chauffage de la part de mon copain pour notre premier Noël, parce qu'en fait il avait froid chez moi. C'est pas un mauvais cadeau. C'est juste un cadeau où il y a aussi son intérêt à lui. C'est à dire que c'est bien parce que du coup c'est quelqu'un qui pense pour vous deux, pour votre confort. Non. Bon. C'était peut-être pas le seul cadeau, peut-être qu'à côté il t'a offert, je sais pas, un truc. Non. Bon. J'ai reçu une voiture en miniature, style téléguidée, ok. Du modèle avec lequel j'ai eu un grave accident 3 semaines avant Noël. Je ne sais pas ce que la personne comptait faire, j'ai eu plus de peine qu'autre chose. Bah c'est une idée de merde ça par contre. Là voilà, on est dans une idée nulle. Mais ça va pas ou quoi? C'est bizarre de faire ça. Décale, livre. Mais je vous mets tout de suite la photo de l'objet parce que franchement ça vaut grave le détour. C'était le nom d'une émission, ça vaut le détour. C'était une émission un peu comme Incroyable mais vrai. C'est-à-dire que t'avais que des vidéos de buzz incroyable. C'était à l'époque, on n'avait pas... Enfin, il y avait internet, mais c'était pas aussi ancré dans notre manière de... Ça, c'est fait main, ça, non? Non, c'est pas fait main. Oh,
Bah j'avoue que bon, selon l'âge que tu as, on n'est pas sur un cadeau très adapté quoi. Une poupée géante qui pouvait marcher, mais à la base, sur la liste du Père Noël, j'avais demandé une petite sœur. Après tu sais, si on part du principe que c'est vraiment le Père Noël qui régale, il peut pas offrir des petites sœurs à toutes les femmes du monde. Enfin à tous les gens du monde, tu te rends bien compte. Ce n'est qu'un homme. Des torchons pour la vaisselle avec le prix dessus. Mais ça c'est des cadeaux d'adultes. Un sac de course pour la Saint-Valentin. Vide, juste le sac. Il y a sac de course et sac de course. Est-ce qu'on était sur un sac Carrefour, genre c'est un cabas? Ou bien sur un tote bag? Quand bien même on n'est pas sur un cadeau de folie. Hein. Je reçois du savon chaque année de la même personne. Et quand c'est pas du savon, c'est des serviettes de bain. Pour quand je déménagerai. Si la même personne m'offrait tout le temps du savon, je pense que je finirais par lui demander, mec, est-ce que je pue? C'est quoi le problème? C'est mon odeur corporelle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se batte? Tu veux qu'on sorte? Tu veux qu'on se règle? Oh! Alors ça, c'est vraiment un cadeau de merde. On m'a aussi offert un livre sur la délicatesse, parce qu'apparemment je ne suis pas assez féminine et délicate, comme un pétale de fleurs. Cadeau de 18 ans et de bac, la famille se cotise. Donc vraiment là on est sur un truc où il y a un projet où on se cotise pour une bougie. Au gingembre. Dans les commentaires, le gingembre c'est oui ou non? Moi c'est clairement non. Ah non, moi je déteste ça. Le gros abécédaire de Bigard, le tout couplé avec un calendrier avec des citations du Dalai Lama, j'ai jamais compris pourquoi. Mais ces gens qui vous offrent des trucs, c'est des gens qui vous connaissent? Moi j'ai un doute, hein. Un chèque à 3 chiffres. Oh! Ah, j'arrête de lire mon cadeau. Alors ça, c'est vraiment le pire. 3 chiffres? 3 chiffres? Les gens n'ont vraiment aucune considération. 3 chiffres. Une essoreuse à salade. C'est bon pour vous? Bah Lilia, c'est bon pour tout le monde. Là, on est encore sur des cadeaux d'adultes. Mais attends, mais t'offres pas... t'offres rien. Dans ce cas-là, franchement, je sais pas, écris une lettre, non? Mon mec m'avait offert un parfum en me disant « Je l'adore, c'est celui de ma mère. » Du coup, je l'ai jamais porté. Bah ouais. T'as bien fait, parce que c'est glauque comme démarche. Franchement, si jamais j'ai le parfum du mec de mon mec, de... Oula, oula! Si jamais un jour j'ai le parfum de la mère de mon mec, je pense que c'est l'un des seuls trucs qui me ferait changer de parfum. Trop bizarre. Non, c'est trop bizarre, je suis désolée. Des guêtres. Bon, déjà des guêtres. Je sais pas si vous savez ce que c'est que des guêtres. Déjà, ce mot-là, je ne l'ai pas vu depuis. Des guêtres, c'est ça. Dalmatien. À Noël, une tante m'a offert une BD Joséphine l'ange gardien. Déjà, je savais pas que ça existait. Je trouve ça incroyable. Comment vous réagissez quand vous ouvrez ces cadeaux nuls? Un kit pour maigrir. Mais ça va pas. Un livre sur la chute du QI des Français. Bon, c'est un fait. Avec les années, on devient un petit peu plus bête. Un slip Justin Bieber. Ça a changé le merchandising hein, des artistes. Si c'est une requête que vous me faites, quand je partirai en tournée, je peux vous offrir des culottes. Hein. Écoutez les gars, on s'arrange. Une vache. Une vache, on parle bien de l'animal. Un livre sur comment gérer sa colère. Putain, ça c'est vraiment un cadeau. C'est pas un cadeau de merde, mais je pense que tu reçois ça à Noël, tu te remets en question de ouf. Ah non, mais si je te le dis, tu sais, obligé. Tu te remets grave en question. Mes premières règles. Ah! Sympa ça comme cadeau de Noël. Des guêtres à grelots. Qu'est-ce que vous avez avec les guêtres? Parce que je faisais de la danse, elles étaient trop moches. Je te crois, sur parole, j'ai même pas envie d'aller sur Google. Ce truc, oh, c'est immonde. Ah ouais, ça c'est chum. Hein. C'est de la déco ça? Non, c'est pas beau. Je l'avais aussi ça. Vers mes 13 ans, mes cousins ont eu des consoles de jeux et j'ai eu un réveil. Tu vas peut-être pouvoir te rattraper puisque ce soir je vous offre une Switch. Non mais je le répète, et je le répéterai autant que j'en ai envie. C'est une Switch que j'ai achetée avec mon argent, enfin avec notre argent, puisque je l'ai fait depuis ma société. Et que du coup quand je fais des collabs, bah, ça me sert aussi à vous payer des trucs pour des cadeaux quoi. Sinon ça sert à rien. Un jeu de société, bienvenue chez les ch'tis. Ça c'est beauf. Oh mon dieu, ça c'est glauque. C'est pas un cadeau de merde mais c'est un cadeau glauque. Je te l'ai dit sur Instagram mais j'ai reçu un tombeau à vie pour mes 18 ans. Excuse-moi, je rentre dans la fleur de l'âge, tu ne m'offres pas une tombe. Ça ne se fait plus apparemment, donc voilà, mais c'est un héritage. Alors peut-être qu'effectivement c'est culturel et dans ce cas-là, ben je retire ce que je viens de dire. Mais personnellement, je pense que je me bagarre. Je me suis étouffée avec ma bave. Pour mon anniversaire, mon ex m'avait offert un déguisement sexy horrible, acheté en sex shop. J'avoue que la première fois que mon mec m'a offert de la lingerie, on était en famille, j'étais pas du tout à l'aise. Il y avait mes grands-parents et sa mère. Et genre j'ouvre un ensemble rouge Victoria's Secret. Franchement, je savais pas où me mettre. Alors que je suis pas quelqu'un de nécessairement pudique ou quoi, tu vois. Mais déjà, c'était la première fois qu'on m'offrait de la lingerie et je trouvais ça un peu bizarre. Genre, je pense que j'ai fait exactement cette tête, genre. Oh, waouh. C'est un soutien-gorge. Et on va terminer par les cadeaux d'Instagram.
Instagram où vous devez me suivre pour remporter cette Switch. Switch, switch, bitch. I wanna get in and not down, 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 down. Vous avez la ref. Si, c'est la musique avec Katy Perry là. Des clés de 10, genre pour bricoler, t'as capté. Bah ça, si tu bricoles, en vrai, c'est un cadeau qui va bien avec ta passion quoi. Un livre sur les bonnes manières de ma grand-mère pour Noël. Ça, c'est pas un cadeau, ça c'est un message. Je regrette. Un livre comment ne pas devenir un vieux con de ma soeur aînée. Pareil, hein, le message est assez clair. Un châle. Desigual. Oui, je dis Desigual. Parce qu'en fait, la marque est déjà assez chum pour qu'on l'enfonce. Du coup, j'essaye de donner du fancy. Tu vois, genre, je l'écris comme ça. Avec des étoiles, genre Desigual. Une crème pour les ongles, d'accord. Une boîte d'haricots verts. Oui. Des boules en plastique pour les chiens. J'ai jamais compris pourquoi on m'a offert ça. Est-ce que tu as des animaux? Sinon, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand j'étais petite, j'ai reçu un livre illustré de monstres qui mangent leurs crottes de nez. Je connais ce livre. Ça me parle. Des lingettes Intima. De la part de qui? Parce que ça peut tout changer dans la donne. Des produits ménagers parce que je devenais une femme. Le patriarcat se porte plutôt bien. Du boursin pour bourrer mes seins. Mais en fait, le patriarcat, c'est trop là. Un CD des Kids United. Un t-shirt avec marqué « Je suis vierge ». C'est ton signe astro. Une tasse en forme de bite. Bah voilà, très bien, mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. On va commencer à reparler du cadeau de Noël que je vous offre parce que là, vous en avez besoin. Aussi dans l'esprit, on a eu Elisa qui a eu un cadeau avec marqué Elsa et Elsa qui a eu un cadeau avec marqué Elisa. Ce sont deux de mes abonnés sur Twitter qui m'ont dit. Incroyable. De la soupe et des pâtes. Bah comme ça, tu manges. Un chat en faïence. Au moins, ça fait pas caca par terre comme Ramsès. Oui, c'est de toi que je parle. J'ai appris que j'étais cocu pour Noël. Yes! Et ben, on va s'arrêter là-dessus. Des pâtes de fruits. Ça, c'est vraiment pas bon. Vous aimez les pâtes de fruits? Vous aimez les pâtes de fruits, faut consulter pour le Covid. Bah si, parce que les premiers symptômes, c'est quand même quand on n'a plus de goût, quoi. Ça, c'est une marque qui m'avait envoyé. Une marque avec laquelle je collabore, que j'aime beaucoup. C'est une marque new-yorkaise qui m'a envoyé des... Bah, j'ai pas envie de dire la marque, parce que comme là, je vais vomir sur ça. J'ai pas trop envie de carottes et poivre. Et aussi carottes et céleri. Je vous mens pas. Hein. Et de ce côté-là, on a tomate, basilic, betterave. On va goûter ça et ensuite je vous explique ce qu'il faut faire pour gagner la Switch. Oh putain, ça me fout la gerbe. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. J'ai l'impression que je fais Koh-Lanta là. Je peux pas. Oh. Bah c'est vraiment pas bon. Franchement, pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'irai pas au bout des choses. Faut pas abuser quand même. Peut-être à la tomate, c'est mieux. Attendez, faut que je boive du coca pour oublier ma détresse. Y'a pas de verre chez toi, Cindy Hoff? Non. Oh, 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 oh. Toujours roté après un bon verre de coca. Je suis pas obligée de le faire. J'ai vraiment pas envie de le faire. Non, j'y vais pas. Je peux pas, je suis désolée. On passe à la Switch. Je vous fais gagner une Switch, pourquoi? Parce que j'en ai envie, parce que je vous aime, parce que vous êtes les meilleurs abonnés du monde. Pour vous expliquer, du coup, c'est une Switch que j'ai achetée moi-même. Et je vous l'offre avec le jeu Animal Crossing, le jeu Zelda Breath of the Wild et un autre jeu de votre choix que je demanderai aux gagnants. Ce qui se passe, c'est que vous avez juste à me follow sur Instagram, à aller sur le post où j'ai la Switch et à identifier trois potes. Super simple. On est tous les deux gagnants là-dedans. C'est-à-dire que toi, t'as une chance de remporter une Switch. Moi, du coup, je prends un peu plus d'abonnés pendant un certain temps. Et si en plus j'arrive à leur montrer que mon travail est cool, du coup, ils restent et on est plus nombreux. Et plus on est nombreux, plus j'ai d'argent. Plus j'ai d'argent, plus je peux offrir des Switch. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Sachez qu'on rigole, sur les cadeaux, mais déjà. Si quelqu'un vous offre un cadeau, c'est qu'il vous aime assez pour le faire et ça c'est super cool. N'oubliez pas, merci Andy, toutes les infos sont en barre d'infos. Moi je vous fais d'énormes bisous. Tirage au sort le 24 décembre au matin. Comme ça j'annoncerai le gagnant le jour de Noël. J'ai vraiment plus de batterie sur cette caméra, ça va sûrement couper en plein milieu de ma phrase. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. À dimanche. Avec une vidéo très importante pour moi puisque vous verrez. Je vous aime.